parcs nationaux. Réduction des points de feu. Au cours des trois premiers mois de l'année, une baisse des points de feu relevés par les satellites a été constatée, selon les précisions apportées par Dr Mamra Koutouarzon, directeur des opérations auprès de Madagascar National Parks. En 2018, 35 points de feu ont été recensés au cours des trois premiers mois, s'ils étaient 24 au cours du premier trimestre de cette année. Dès lors que le satellite détecte un point de feu dans un parc national, l'équipe est mobilisée sur terrain pour intervenir afin de maîtriser et éteindre le feu. Les riverains et la communauté sont eux aussi mobilisés. Il arrive qu'à la fin de l'année, 2000 points de feu soient enregistrés. L'objectif pour cette année est de ne pas aller au-delà de 1000 points de feu. À noter que les zones savaneuses sont celles qui sont les plus exposées aux feux de brousse. Le MNP ne cesse de sensibiliser tout un chacun sur la nécessité de préserver nos parcs nationaux et de protéger l'environnement en général.